Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Alors, il y a quelques années, en tant que centriste, un voyage en Alsace aurait été un voyage en terre conquise. Aujourd'hui, vous êtes plutôt en situation de missionnaire. Ah, c'est évident qu'on a beaucoup à reconstruire en Alsace, d'ailleurs, comme dans d'autres régions centristes. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de centristes qui ont découvert que l'UMP s'était devenu à nouveau progressivement un parti proche du RPR d'hier. Alors vous aviez annoncé un raz-de-marée d'adhésion, mais à part Jean-Marie Bockel, François Loos ou Axel Benenran en Alsace, peu de pointures vous ont rejoint. Mais vous savez, on va profiter de ces élections pour changer un peu de logiciel. Et le logiciel nouveau, ça sera le logiciel de jeunes pousses, de nouveaux talents, de gens qui ne sont pas forcément dans la politique aujourd'hui, et qui vont y venir, et qui vont apporter de l'oxygène et du sang neuf. Alors, qu'est-ce qui vous différencie de Philippe Richert ou Fabienne Keller, qui se revendiquent également du centrisme? Bah, moi, je leur dis simplement qu'ils sont dans une formation politique qui s'appelle l'UMP, dont le discours politique est un discours souvent assez dur, fort, sur des sujets où on est assez loin de l'expression centriste. Je vais prendre un ou deux exemples. Est-ce qu'on peut considérer que l'UMP est un parti profondément européen ou souhaitant une construction politique de l'Europe? C'est pas si évident que ça. Prenons un second sujet. Est-ce que l'UMP est un défenseur acharné d'une société décentralisée? Pas si évident que ça. Et pourtant, on a besoin, dans cette société nouvelle, d'inverser le schéma et d'arrêter d'être sur une société pyramidale vue d'en haut, où tout serait décidé par quelques-uns au sommet pour la totalité du bon peuple. Nous, on pense qu'au contraire, il faut une société dans laquelle le pouvoir est redonné aux structures de base de la société française. Ça, c'est centriste. Alors, gauche moderne, nouveau centre, alliance centriste, parti radical, rajoutez certains modems et mettez l'UDI au-dessus de tout ça, c'est pas très lisible pour l'électeur moyen quand même. Peut-être, mais vous savez, chaque formation politique n'est pas un monstre de monolithisme. Hein. Vous croyez qu'à l'UMP, entre droite populaire, droite forte, droite sociale, et au Parti socialiste, entre les sociodémocrates issus de l'ère rocardienne et les socialistes proches de Mélenchon, vous pensez qu'il y a vraiment beaucoup d'unité aussi? Enfin, en Alsace, plus qu'ailleurs, il va être très difficile de vous démarquer. Pour le référendum sur le Conseil unique, vous appelez à voter oui, c'est le même oui que l'UMP ou un autre oui comme les écologistes? Non, mais on n'est pas non plus sur chaque sujet dans l'obligation de chercher les moyens de se démarquer. Écoutez, moi qui suis favorable à la réunification de la Normandie, je rêverais qu'un jour un tel référendum ait lieu pour permettre enfin de toiletter, dépoussiérer, réorganiser ces collectivités locales qui se sont entassées depuis des décennies. Hervé Morin, merci. Merci.